Bonjour et bienvenue sur ma page Savoir pour tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer SketchUp 2016 sur un Mac. Pour cela, vous devez taper dans un moteur de recherche le mot-clé SketchUp. Vous prenez le premier lien venu. Ensuite, vous cliquez sur Télécharger SketchUp. C'est à usage pédagogique. Vous devez remplir un tas d'informations vous concernant. Donc là, je vais bien évidemment cacher mes informations. Vous devez en faire de même, sinon vous ne pourrez pas récupérer l'outil, malgré que celui-ci soit gratuit. Vous êtes, ben moi j'ai mis autre ou instructeur, on va dire. Et je choisis création SketchUp. J'accepte et je télécharge en cliquant sur le bouton télécharger SketchUp. Celui-ci va se télécharger dans la barre de téléchargement. Vous retrouverez le fichier dans l'onglet téléchargement et c'est bientôt fini. Une fois terminé, vous double-cliquez dessus afin de décompresser. Pour la petite histoire, en mai 2012, Google revend SketchUp à la société Trimble, société spécialisée dans les outils GPS et laser. Heureusement, Trimble a gardé la gratuité de ce logiciel. Voilà, le téléchargement est fini. Maintenant, vous récupérez le petit icône que vous faites un glisser-déplacer dans Application. Alors, je l'ai déjà installé, mais bon, c'est pas grave. Il va sûrement me demander une copie. Donc, je suis pas intéressé. Une fois installé, vous double-cliquez dessus. Vous cliquez sur l'icône SketchUp. Et vous avez votre mascotte qui apparaît. Alors moi, comme c'est pas la première fois que je lance, vous devriez avoir normalement un autre menu qui s'appelle Bienvenue en SketchUp. Vous arriverez là-dessus. Ils vont vous demander quel type de modèle vous voulez choisir. Donc vous cliquez sur Modèle de base Maître, par exemple, hein, et vous faites Commencer à utiliser SketchUp. Et là, vous arrivez au même endroit que moi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons comment utiliser les outils de base. À la prochaine!